Hi guys, I have a haul for you. Hi guys, so today I will speak in English for this video. I know I'm not the best, I suck in English, I absolutely suck. So I'm sorry if this bothers you because I'm really trying to speak more English. I think I will like speak English and French. I will do like a little transition. I will start talking in French and in English, like both, not just in English right now. So, ouais, c'est ça. Je suis allée à plusieurs magasins. Je suis allée au Aridia, au Garage, au Zara et au Princess Polly. Fait que ça, c'est les quatre magasins que je vais parler aujourd'hui. J'ai vraiment une grosse boîte. J'ai littéralement comme... J'ai ça, puis j'ai mes colis Aridia, mais j'ai pas reçu Princess Polly. Je vais juste faire une autre version plus tard de qu'est-ce que j'ai eu du Princess Polly. So, to start, I have this little bag. It's purple and it's really cute. It's like a soft material. It's like a towel material. And I really love it, like to go to the beach or whatever, hang out with friends. It's really big. You can, like... mettre une serviette ou peu importe à l'intérieur. So I really love it. It was like $20, really not that bad. I love Zara. This is Zara, by the way. And yeah, this is the first item. I love it. Okay, so for the next one, it's also Zara. I got this dress. It's stunning. C'est tellement belle cette robe. Elle s'attache comme de même au cou. And it's the mime and then you just put it like this. C'est comme une summer dress. It's so cute. Yeah, I really love it. Les couleurs rose, vert, orange, toutes mes couleurs préférées. Était quand même dispendieuse. Était $60, mais pour une belle robe, honnêtement, d'été, ça me dérange pas tant. Ok, so prochainement, le troisième morceau de Zara, c'est ces pantalons. C'est des pantalons flared, juste comme ça. Juste la couleur est magnifique, with a, like a white top. Puis ouais, juste j'adore ces pantalons. La coupe, elles m'y font vraiment bien. Puis il y a comme un élastique comme ça. Ils sont super super élégants. Donc voilà, j'adore ces pantalons. Checkez mon setup. Oh, c'est littéralement genre un setup de rêve avec la piscine pis tout. Love that. Okay, so the first thing that I got was a blazer. It's like a beige blazer. It's like adorable. Littéralement. Comme... Look at this. Just look at this. I look put together. Genre j'ai l'air d'avoir ma vie en contrôle. I look like a like boss, you know, and it's quite long, and I just love it. It was really expensive. C'était quand même cher. C'était genre $120. Mais I mean, it's not that bad for like a good blazer that je vais porter beaucoup. Okay, so that was the blazer. Puis les pantalons verts étaient $50. Donc, yeah, puis tous les morceaux que j'ai achetés, je vais les mettre en bord d'infos. So, tu peux aller shop les mêmes vêtements pour qu'on soit des little twins. And yeah. Puis juste un petit break pour genre vous dire de vous abonner parce que comme depuis que j'ai commencé cet été, j'ai littéralement comme gain genre 3 followers depuis le début de l'été. So, that's kind of sad. Fait que si vous voyez ici, juste s'il vous plaît vous abonner, mettez un like et tout. Puis genre, mettez ça dans... mettez genre... dans votre story, genre go follow Coralie, ça me ferait tellement plaisir. Je vais essayer d'avoir 1000 abonnés avant 2021. So that's my goal. Si vous voulez m'aider, I will love you so much. Ok, donc pour le prochain article, on a ces souliers qui viennent encore du Zara. Ils sont tellement élégants, ils sont la même couleur que le blazer. Juste comme ça. Puis le, sont pas comme talons aiguilles. Donc c'est vraiment facile de marcher avec ça. I love them, j'aime la couleur. Puis tu sais, j'aime tellement les talons hauts. Maintenant je trouve ça tellement chic et élégant pour genre
pour en soirée, aller souper et tout. Et il était 59,90, mais c'est vraiment pas si pire pour une bonne paire de talons hauts. So, yeah. Oh my god, je viens de réaliser que mon chum aurait laissé sa casquette ici. Est-ce que je devrais continuer comme ça? Continuons le haul comme ça, les amis. Do I look bad? I kind of look bad. En tout cas. Après, on a une paire de underwear. Maman écoute pas ça, mais en tout cas, c'est genre en dentelle. Adorable. Puis il y a comme un matching set. C'était genre 70 pour les deux. Quand même très cher. J'ai enlevé ma casquette, j'ai l'air bizarre. Ok. Et dernièrement, du Zara. Actually, c'est pas la dernière chose parce que cette robe vient du Zara. Checkez ça. Juste checkez ça. Le dos. Le dos il est genre de même. C'est littéralement la plus belle robe que je own dans mon garde-robe. C'est vraiment pas la plus chère. Je pense qu'il était 59,90. Puis comme elle est tellement flattering. C'est genre la plus belle robe ever. Puis le vert, insane. Fait que je vous conseille vraiment d'aller l'acheter. Not sponsor, but I wish. Zara. Toutes les tailles, c'est pas mal des X-Mall ou des Small. Ok, fait que vraiment là, le dernier morceau c'est. Look at this. C'est un leather jacket. I'm sorry. I look like a badass with this. I look like I'm ready to go at the city at night and just go with my friend at a good restaurant at night and be a bad bee. Like, I want to take picture with this, like, right now. Look at this. I look like Catwoman or something. Okay, I just love this coat. It's, oh! C'est juste la parfaite longueur en plus, comme ça va où que ma robe. It's, I love it! 10 sur 10 pour le Zara, honnêtement. J'ai une grosse longueur. Mais c'est 100% worth it. Après, on va aller au magasin Garage. Garage, si vous écoutez ça, si un des boss de Garage passe par cette vidéo, j'ai apporté mon CV au Garage, mais ils m'ont encore pas répondu. Fait que ça, c'est triste. Fait que si quelqu'un de Garage écoute ça en ce moment, please hire me. I'm nice. Donc, on a trois morceaux du Garage. On a juste ce petit tank top. Adorable, juste comme pour la maison, whenever, it's so cute, flattering. Il était 19$, not that bad. Après, on a mes jeans préférés que je viens de porter dans l'autre vlog. Quand je suis allée à thrift avec ma mère. Donc c'est juste ces jeans là sont tellement comme, ils vont comme un glove genre. Puis il y a un trou, juste ici, un gros trou, puis ils sont pas, ben ils sont pas pattes d'éléphant, ils sont juste mom jeans I guess. Puis ils vont bien à la taille, ils font les cute fesses, best jeans ever. Il était 80, il était encore 59,95. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis il s'appelle jambes larges, jambes larges. Ok, peut-être que c'était pas comme ça qu'il s'appelle, mais ils sont des jambes larges. Puis c'est une taille 0 ou 24, peu importe comment vous prenez vos grandeurs. Mais ouais. Et dernièrement du Garage, on a un petit chandail. Oh, voyons, je pète tout à l'heure. Comme ça. Vraiment beau. Ça dit honey. Honey. Juste ça avec comme mes jeans préférés. Un vibe. Avec genre une veste Garage. Ou genre ça avec ça. Un vibe. En tout cas, j'aime vraiment. Puis le chandail était 19,95 aussi. Fait que j'aime vraiment mes trois morceaux de Garage. Espérons que je vais travailler là un jour. Donc, le dernier magasin qu'on va faire aujourd'hui, ça va être Aridia. J'adore ce magasin aussi, mais c'est sûr qu'ils vont pas m'engager à 15 ans, malheureusement. J'aimerais bien, mais sinon j'irai porter mon cerveau Aridia. Donc, on a encore trois morceaux du Aridia. On a ça. Vous allez sûrement dire, qu'est-ce que c'est ça, Coralie? T'auras l'air d'une grenouille. Mais c'est vraiment beau, genre, c'est comme... Tu fais juste mettre ça comme ça.
puis là ça genre ça fit à ton waist, puis là t'as comme des petites shirts. Fait que tu sais, je vais pas mettre ça sûrement pour comme going out. Je vais plus mettre ça genre chez moi pour comme étudier tant qu'on va recommencer l'école, ou genre une journée ménage, des trucs de même. Mais si mettons je fais ma journée ménage, je lave avec ça pis tout, puis je dois aller mettons à l'épicerie, ben je fais juste mettre genre un hoodie par dessus, puis tu sais ça fait juste des biker shirts. Super pratique honnêtement. C'est quand même cher, c'était 78$. Mais je sais pas si je regrette mon achat, mais je suis sûre que je vais le porter. Fait I guess que je regrette pas mon achat. So yeah. Donc c'est ça. Après on a deux autres morceaux à vous montrer aujourd'hui. On a ce One Piece blanc. Il est tellement beau. Tellement beau. Comme si vous voulez un genre bodysuit comme ça, là, si vous attachez ça pour mettre dans vos jeans, je vous conseille 100% d'aller acheter lui de Aridia. Aridia est vraiment une marque chère. Puis ça est 48$. 48 je pense? Je suis vraiment pas sûre, mais je pense que c'est 48. Donc c'est vraiment pas si pire 48 pour un bon morceau de Aridia. Puis c'est Babaton, la marque de Aridia, comme dans Aridia. Puis c'est un X-Mall, puis il est blanc. Il est vraiment, 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 vraiment beau. So, ouais. And then, oh my god, ça fait longtemps que je peux parler en anglais. And then, we have some black jeans. They are Agold jeans. Agold is really expensive. Like, Agold, it's hard to say Agold in English. Agold. How I'm supposed to do that? So yeah, it's some black gold jeans, and they are in the size 24, and they were in sale. It was 100, and the first price was originally 300 and like more bucks. So it was really, really, really excited. So bad, it was really, really expensive. So I got those for 100. It's really not that bad for a really, really good pair of jeans, and they are amazing. They are like this, they fit really well, and yeah. So that was a part of my haul. Il y a encore trois autres choses qui restent à arriver du Princess Polly. Donc une paire de bottes, une paire de pantalons, puis une robe. Fait que, ouais. Hi guys, donc j'ai juste fait la deuxième partie du vidéo. Donc j'ai reçu ma commande de Princess Polly. Donc j'ai reçu trois items de cette compagnie que j'adore. Premièrement, j'ai reçu ces bottes. Elles sont juste tellement belles. Ils font comme un cowboy vibe, mais juste trop cute, comme avec un blazer, une jupe pour sortir le soir, ou juste ouais, une jupe. Moi j'imagine ça avec une jupe, ou comme I love them. Ok, ou genre des jeans, ou comme pour le print, ou un long manteau d'automne avec ça. That's cute. Et après on a cette robe bleue. Vous avez sûrement déjà vu le pattern parce qu'il est vraiment populaire, cette robe là. Elle fait vraiment un summer vibe, juste pour aller magasiner avec des amis ou même en soirée. J'imagine vraiment ça avec quand même ces bottes là, ça pourrait être vraiment beau. Donc ça c'est le deuxième item de Princess Polly. Je l'ai pris en size 2. J'aurais pu le prendre plus grand parce que size 2 c'est genre X small, même plus petit. Fait que j'aurais vraiment pu, je vous conseille de prendre votre taille, ou genre je pensais que ça allait être juste plus mieux, plus serré, mais finalement c'est juste petit, mais c'est pas grave. Donc ouais. Et le dernier morceau de tout ce haul, c'est ces pantalons de Princess Polly. Ben of course Princess Polly, c'est ce que je suis en train de dire. Ces pantalons blancs, ils sont genre flared, ils ont comme un attache comme ça en avant. Ils sont tellement cute, puis genre ils font genre your butt look really good. Donc j'imagine ça avec un cute top, mes cheveux comme ça, avec des beaux souliers pour aller à Montréal durant la journée.
Donc, ça c'était mon haul. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Je pourrais faire des vidéos comme ça, comme chaque jour. C'est juste que ça coûte cher, mais je vais définitivement en refaire un bientôt. Donc, abonnez-vous, mettez un like et écrivez un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.